5h, 7h, Mathieu Noël. Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Almeida. Bonjour, bonjour à tous. L'info de la semaine, celle qui a retenu votre attention Fabrice, c'est la préconisation d'interdire les cabines de bronzage données par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Ça reflète pour vous un changement profond. Ben oui, c'est la fin d'un long siècle qui associait bronzage avec santé et réussite. Car avant, régnait la blancheur, pire, la pâleur. Mais tout change en 1890, quand un médecin danois invente une lampe produisant des rayons ultraviolets. Niels Riberg Finsen constate bientôt que des malades souffrant de lupus, sont guéris grâce à sa lampe. Finsen gagne le prix Nobel 1903 pour cette découverte. À la même époque, des patients atteints de tuberculose sont soignés au soleil. Du coup, s'impose l'idée que les rayons solaires sont favorables à la santé. Et ce mouvement suit le mode de vie des élites, le sport et les loisirs. Après 1918, être allé devient synonyme de bonne santé et de richesse. Et les tenues de plage s'allègent. Ah, dans les années 60, on veut éviter les marques de maillot. Puis les dames découvrent le topless. Et les messieurs essayent le string pour des fesses bien dorées, n'est-ce pas Mathieu? D'ailleurs, les lampes à bronzer passent en vente libre et les cabines à UV envahissent la planète. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors? Un mot. Mélanome. Mmh. Dès 1956, le professeur Henry Oliver Lancaster, un médecin australien, établit le lien statistique entre l'exposition au soleil et les cancers cutanés. Leur multiplication inquiète, si bien qu'en 2005, l'Organisation mondiale de la santé demande d'interdire les lits de bronzage sans supervision. Depuis, l'écran total s'impose. Le long siècle du bronzage se termine. Auditeurs d'Europe 1, la pâleur revient ce week-end. Préparez vos ombrelles. J'ai jamais besoin d'ombrelles pour être tout pâle. Merci beaucoup Fabrice Almeida. Un mot, qu'est-ce que vous faites ce week-end Fabrice? Eh bien j'irai comme tous les amateurs d'histoire au rendez-vous d'histoire de Blois. La plus grande rencontre d'historiens. 200 tables rondes ouvertes au public et ça dure d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Je sais que la ville de Blois, c'est la ville de Céline D'Agosta. Oui, je suis née là-bas. Où elle a assisté un jour à un tournage de Navarro, pour ceux qui suivent. C'est vrai. Ça aussi, c'est historique. Merci beaucoup Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve lundi, juste avant 6h15. Europe 1.